Non, j'ai eu un entretien pour Air Caraïbes. Seulement, j'y ai pas été parce que je commençais mon SAD le jour de l'entretien Air Caraïbes. Et passer le SAD, ça veut dire que j'étais déjà prise chez French Bee. Mais Air Caraïbes, la compagnie où je voulais vraiment aller de base, bah, j'étais pas sûre d'être prise en fait. Donc, c'était un très gros risque que j'étais pas prête à prendre. Et j'ai eu un entretien chez Transavia que j'ai réussi aussi, d'ailleurs, pour le coup. Car en vrai, on a mis des choses, mais c'était pas très présentable. Ils vous ont même pas envoyé un petit journal, enfin, le booklet du service. Pourquoi pas Air France? Parce que Air France recrutait pas à ce moment-là, tout simplement. Est-ce que tu comptes te marier et avoir des enfants dans un proche avenir? Est-ce que je compte le faire? C'est pas comme si c'était un objectif. C'est pas mon objectif de marier et d'avoir des enfants dans un proche futur. Par contre, si toutefois je rencontre l'homme de ma vie et que je me marie et que j'ai des enfants, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérangerait pas. Mais c'est pas mon objectif, principal en ce moment, non. Si on était un peu perdu, bah oui, ça m'étonne pas. Chloé, Clolo, ok. Non, ils sont pas en anglais dans toutes les compagnies. Après nous, tout est en anglais parce que nos pilotes ne sont pas français de base. Et il faut qu'on soit capable de se comprendre. Donc. Je suis d'origine guadeloupéenne. Bon, apparemment aussi pas mal espagnol, finalement, quand je regarde. C'est trop bizarre de dire ça. J'ai jamais dit que j'étais espagnole, alors qu'en vrai, je crois que j'ai autant d'Espagne que, genre, côté africain, quoi. Ceux qui n'ont pas compris ma référence, c'est la Cité d'Or. Voilà, c'est. Non, je ne parle pas espagnol. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Pourtant, j'ai fait de l'espagnol jusqu'à la fac, hein, quand même. Comment s'améliorer rapidement en anglais selon toi? Prends-toi un English boyfriend, hein. Comme ça au moins t'es sûr. T'es sûr? Tu parles. Voilà, ça c'est le plus rapide. Tu te prends un mec anglais, tu pars vivre ta love story et tu reviens, et voilà. Ça c'est du front qui fronte, ouais. Pour le créole. Je pense que je comprends plus l'espagnol que le créole, quand même. Le plus simple est dans un pays anglophone. Totalement. Totalement. Mais quand je parlais de genre de boyfriend, t'es obligé de lui parler en anglais. Alors que quand tu vas dans un pays anglophone, souvent, t'attires les Français, tu vois. C'est rare que tu sois vraiment, vraiment, vraiment. Sauf si tu te retrouves dans la campagne irlandaise, mais si tu vas dans les grosses villes, il y a toujours des Français. N'importe où. Merci. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas d'artifice là. Aujourd'hui, c'est nature peinture.